Françaises, Français, la situation est grave. Face à la menace d'un gouvernement qui bride de plus en plus nos libertés et essaie chaque jour un peu plus de nous empêcher d'accéder à une connaissance saine et véritable, il est urgent d'agir. C'est pourquoi j'ai décidé de me porter candidat à l'élection présidentielle de 2017. Merci, merci. Alors, s'il vous plaît, après pour les photos. Ne vous inquiétez pas, il y aura les dédicaces, ne vous inquiétez pas. Mes chers compatriotes, mes chers abonnés, il est de notre devoir de ne pas céder la place sur YouTube à des discours sectaires et mensongers. Ainsi, je vous exhorte à faire barrage à la candidature de M. Sylvain-Pierre Durif et je m'engage à l'affronter jusqu'au soir du second tour si nécessaire. Il est temps que nous prenions tous nos responsabilités. J'invite M. Durif à débattre avec moi en live sur YouTube afin que vous, mes chers concitoyens, puissiez y voir plus clair avant l'échéance électorale. Il est nécessaire d'obtenir 500 signatures pour se présenter comme candidat à la présidentielle. Donnez-moi 500 pouces bleus et je vous le garantis, je porterai avec vous notre projet jusqu'aux portes de l'Élysée. Je veux que vous y allez partout, le porter, je vous le dis, car c'est notre projet. Merci. Je vous le répète, mes amis, il est urgent de définir une nouvelle façon de faire de la politique. Nous avons eu comme Premier ministre M. Manuel Valls. Je vous propose Didi Chandouidoui. Aux finances, je mettrai Cyprien, Squeezie et Norman, car, comme vous pouvez le voir, ils savent ce que c'est que de gérer des finances. Vous en avez marre de la situation actuelle? Vous voulez vous engager et participer à un mouvement citoyen? En 2017, votez Jérémy Ster. Pour une France en avance dans la recherche scientifique, pour le développement d'énergies futuristes, pour la déclassification des documents ufologiques, pour la colonisation de Mars et le développement des voyages interstellaires, pour un Internet libre et gratuit. Alors, engagez-vous au Parti de la Vérité. Vive la République, vive la France et vive mes abonnés.